Avec la première section de mâles. Alors cette fois-ci, ce sont les mâles qui sont nés les plus tôt. En l'occurrence, celui-ci, il est né le 22 février. 22 février, on peut marcher ? Allez, on peut marcher. Le 22 février, c'est un fils, tiens, c'est un fils de Connecteur. Il est présenté par Pierre-Emmanuel Guillot et Guillaume Gosselin. Né donc le 22 février, Connecteur, planné par Connecteur, est une issue d'une très belle famille anatomique, c'est toujours bien. Récemment, c'est Guichérel, puisque très vite, bien sûr, de l'Atalco et Seyn Huguen, le champion du cross, spécialiste de Pau. Il a gagné 8 fois sur le cross de Pau, notamment. Le grand cross qui se fait de mieux, bien sûr, en cross dans le sud-ouest de la France. Et c'est aussi une famille qu'on a connue pendant 40 ans différents, notamment chez Manuel qui avait du coup avec Maurice Fontaine et Aurélien Lavandry, mais Étienne Leiber, ça va être Izmir, du Cossier. Je sens pour le numéro 78, le numéro 2. Et le numéro 2, je vous rappelle, l'un des autres, c'est que Jean-Pierre Roux, accompagné de Marcel Rollin.